Bonjour, je m'appelle Nathan, je suis directeur technique depuis un peu plus d'un mois déjà. Mon travail se divise en quatre axes principaux. Le premier, valider la faisabilité technique des projets d'acquisition, parce que les dossiers étudiés, c'est souvent des hôtels vétustes ou sous le cul d'une fermeture administrative pour des raisons de sécurité. Il faut donc évaluer les travaux nécessaires à la mise aux normes, mais également à l'augmentation de la capacité des accueils et à l'amélioration de la qualité de vie des résidents. Ça passe par exemple par la création d'espaces communs, ou encore par la mise en accessibilité de la résidence aux personnes en situation de handicap. Le deuxième axe, c'est donc le suivi des travaux, en brandant régulièrement sur place et en échangeant avec les prestataires sur le respect des coûts, de la qualité ou des délais. Le troisième axe, c'est garantir le respect des normes tout au long de la vie de l'établissement. Nos résidences doivent répondre à des normes strictes en matière de qualité, de sécurité et de salubrité, et nous devons justifier de ces normes auprès de bureaux de contrôle. Le quatrième axe, c'est améliorer l'impact environnemental de nos résidences. Puisque la précarité énergétique, ça a des répercussions économiques, mais également sanitaires et impacte durablement la vie des résidents. Et cette précarité ne doit pas s'additionner à des situations de vie déjà difficiles. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui engagé la rénovation thermique de l'ensemble de notre parc. Ça faisait quelques temps déjà que je cherchais à donner un impact social et environnemental à mon activité professionnelle. Je me suis donc tourné vers l'économie sociale et solidaire. Après quelques recherches, j'ai trouvé résit Social qui cherchait un profil technique. Et après, Plusieurs échanges, euh, j'ai découvert une entreprise sincère sur ses engagements, dynamique, jeune, en pleine expansion, et c'est pourquoi je me suis décidé à postuler. Et aujourd'hui, euh, absolument aucun regret.